Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour Mutant Muds sur Nintendo Switch, la collection. Alors je sais pas si vous connaissez ce jeu, moi je connaissais pas et du coup j'ai appris à le découvrir. J'ai juste fait une petite partie découverte de mon côté pour pouvoir y jouer correctement avec vous. Alors Mutant Muds c'est quoi? Alors déjà on va commencer donc en catégorie, c'est un platformer, action, puzzle et aventure. Voilà, ça pose les bases. Comme vous avez pu le voir, c'est vachement pixelisé, on va le voir aussi dans le game d'ici 5-6 minutes. Et le jeu est sorti le 13 décembre 2017, je précise bien, 2017, sur Nintendo Switch, et la taille fait 62 MO. Actuellement, il est disponible sur l'eShop pour 1,29€, il y a moins 90%, le jeu était à 12,99€, c'est pour ça que j'ai chopé. Parce que du coup, je me suis dit, 3 jeux en 1, autant, voilà, autant se faire plaisir, surtout à la fin de l'année. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas terminer l'année correctement sur un petit jeu rétro, totalement pixel, hein, ce que j'adore, je vous le dis. Voilà. Alors, pour poser les bases, il s'agit de la plus grande collection de jeux Mutant Mute réunis en un seul pack. Revisitez les jeux plateforme hilarant Mutant Mute Deluxe Mutant Mute Super Challenge sur votre Nintendo Switch. Et oui, ce n'est pas tout. Un tout nouveau jeu a été ajouté à la collection. Affrontez des mutes dans le jeu de casse-tête Mute Block. Alors, Mutant Mute Deluxe, vous avez un faible pour les pixels, vous adorez le jeu de plateforme, vous êtes nostalgique de l'époque 8 ou 16 bits, vous avez envie de vous éclater. Oui, eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Mutant Mute est un super jeu d'action et de plateforme 12 bits. Notre héros Max n'est peut-être qu'un sprite 2D, mais son fidèle jetpack lui permet d'entrer dans la troisième dimension en naviguant entre l'arrière-plan et le premier plan du jeu. Ouais, en fait, j'ai spoilé tout le jeu là. Armé d'un canon à eau, Max est décidé à vaincre ses ennemis jurés, les Mutant Mutes. Max doit se frayer un chemin à travers un environnement souillé à la recherche. Max doit se frayer un chemin à travers un environnement souillé à la recherche des mystérieux Wether Sprite, car selon la légende, les Mutant Mutes disparaîtront à jamais lorsque ces Wether seront tous récupérés. Voilà pour poser les bases. Je vous spoil pas le reste parce que du coup, après, ça va tuer le game. Sinon, le jeu est full English, donc là, un petit point noir. Mais bon, ça n'empêche pas, classe d'âge 3 ans. Et voilà. Donc, on a posé les bases, on va voir ensemble. C'est parti. Ah, trop un peu longue, mais bon, c'était un peu nécessaire pour moi de poser les bases. Donc là, comme on a vu, on a version Talax, la version Super Challenge et la version Mudblocks. Donc, on verra si on a le temps en fonction de notre gameplay. Eh bah, c'est parti. Alors, je vais pas spoiler le jeu, tout simplement. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le développeur... Et celui-là qui a publié, c'est Atoy. Donc c'est A-T-O-O-I. Voilà, si je l'ai mal dit, tant pis pour moi. Et donc le nombre de joueurs, on peut y jouer à deux à ce jeu-là. Donc c'est parti. Donc moi j'adore, hein, c'est le côté pixel comme ça, je kiffe, grave. Allez, new game. Dites-moi dans les commentaires si vous allez le prendre. Parce que là, la promotion, elle est jusqu'au 18 janvier 2020. Les sons 8 bits, l'intro 8 bits, au grand cœur, les meilleurs jeux, pour tous ceux qui ont connu la NES, la Super NES, la Mega Drive. Allez, c'est parti. Alors, donc là, je suis avec le joystick de gauche, et du coup, ce qui me permet, avec ce joystick-là de gauche, de pouvoir manipuler mon personnage. Ensuite, avec les boutons B, j'arrive à sauter, ouais, c'est super. Avec le bouton A, j'active le jetpack, voilà, comme ça a été dit dans l'intro. Et avec le bouton Y, je tire. Avec le bouton X, je tire aussi. Donc là, c'est un petit jeu de plateforme, tranquille, hein. Voilà. J'aime bien le petit loop 8 bits. Donc ça peut vite casser les couilles à la fin, mais bon. Voilà, j'ai joué comme une merde. Pour changer. Voilà. Donc là, on a des astuces. Voilà. Donc là, les fameux Mutant Mute. Ouh. Et là, je joue trop bien. Et voilà. Donc, rien de bien compliqué. Par contre, voilà, ça reste dans le délire de la 8 bits, hein, de l'action plateforme. Moi, c'est ce que j'adore au niveau de ces jeux-là. Ce qu'on retrouve pas maintenant dans les nouveaux jeux. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais dans l'intro. On peut passer du premier plan à l'arrière-plan. Et voilà, c'est un truc de dingue. Tout ce jeu, il est comme ça. Moi, j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à échanger, je vous répondrai avec plaisir. Hop. Donc là, on a la flèche. Donc là, je descends le joystick et j'appuie sur B. Hein. Allez, vous avez vu un peu ma dextérité à sauter? Oh là là, je suis sûr que vous êtes jaloux. Hop. Voilà, donc là, je peux pas y aller. Donc là, je vais repasser au premier plan. Et voilà. Donc là, il y a un méchant monstre. Et voilà, donc si je me fais toucher, je meurs. Et voilà, là je passe directement au premier plan, mais c'est badass, parce que du coup on a le personnage comme ça là.
C'est super bien fait, j'adore. Voilà. Donc ça plaira aux enfants. Hein. Enfin, tous ceux qui aiment bien le côté 8 bits. Donc les enfants ont pas trop connu, mais du coup c'est intéressant de leur faire découvrir. Et voilà, on a terminé le premier niveau ensemble. Nickel. Assez rapide, mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué pour que ça soit efficace. Alors, est-ce que je vais réussir à faire le deuxième niveau? Je pense que c'est strictement rien. Voilà. Et c'est parti. Donc là, lui, il va... Voilà, il va nous laisser. Hop. Donc là, il faut bien calculer. Ah non, non, je vais pas y arriver là. Et je crois que je peux pas... Je vais essayer de me frayer un chemin, mais de mémoire, je vais pas pouvoir... Donc là, il est en premier plan. Et il faut que j'aille au premier plan. Alors là... Mais je peux pas monter! Ah! Non! Ah! Donc toute la complexité du jeu, elle est là. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je me pète le truc là-bas. C'est même pas dire que j'y arrive. Ah non! Bah là voilà, je suis mort. Ça commence déjà. Allez, on va la tuer. Yeah. Come on. Donc petit jeu pour terminer l'année entre nous. J'espère que 2020 sera aussi enrichissant que 2019 pour les membres de la Gata TV. Et puis on se retrouvera. Voilà. On va se retrouver dès le 1er janvier. Hein. On vous abandonne pas. Donc là je sais pas comment je vais faire. Il faut que je me démerde. Donc là, hop. Et voilà, en voilà un. Et du coup ce qui va me permettre de passer dans un autre plan. Voilà, donc je suis passé à l'arrière. Oula. Ça c'est fait. Là faut que je descende. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais peut-être pouvoir aussi arriver au premier plan là. Et terminer le deuxième niveau avec vous. Même si j'ai perdu la première fois. Ouais, c'est pas gagné encore, hein, mais. Là. Et je me dis, moi, pour 1,29€, bah, ça vaut le coup, quoi. Tu mets un bal, t'as un bon jeu, en plus t'as 3 bons jeux. Ok, nickel. Donc du coup, là, je me rappelle plus ce qu'il y a par là. Ah bah oui, il y avait ça. Et, ah, je suis pas encore sur le bon truc. Ah non, je suis revenu... J'ai fait le con. Bah, pour changer. Bah oui, je suis revenu au premier plan. Super. Ah bah la partie va être longue hein. Hop. Et là, bah oui, bah du coup je suis coincé. Après hein, c'est tout le fun des jeux de plateforme. Appréciez justement le côté pixelisé et les couleurs chatoyantes du jeu. Moi c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer sur le jeu quoi. Puis le petit loop en 8 bits, faut que je l'attende un petit peu, hop. Et voilà. Bon, une fois que t'as compris, hein, t'as tout compris. C'était pas trop con. Voilà. Hop. Comme j'ai tué les ennemis, bah du coup, c'était vachement plus facile pour moi. Voilà. On va attendre un petit peu. Ah non ! Ça vous fait penser certainement à des monstres qu'il y a dans Mario. Par exemple dans les châteaux là, de Bowser. Oula, on va peut-être éviter de faire le con là aussi. Hop. Voilà, hop. Ah mais non, c'est pas drôle ça. Et puis il clignote aussi. Là... Non ! Bon bah voilà, hein. On va pas aller plus loin. On va faire quitte et on va tout de suite essayer d'avoir... on va faire quitte aussi. Ok. Non. On revient et on va arriver. Bah oui, on va essayer les autres jeux. Hein. On est là pour présenter le jeu dans son ensemble. Oula, le super challenge, je sais pas si je vais y arriver. Et super challenge, super dur.
petite intro 8 bits que j'adore aussi. Donc cette partie là je la découvre en même temps que vous, j'ai juste lancé le jeu sur la première partie pour voir ce que ça donnait, si ça allait me plaire. Donc super challenge, vu comment je suis super nul, ça va être super dur. Target. Petite intro de mise en scène, hein, ça fait plaisir. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais, c'est carrément d'un autre niveau. Ouais, je vois que dalle. Ouah, ouais, c'est un truc de dingue. Ah ouais, ça va. J'ai des vies. Oh non, bah voilà, pourquoi c'est super challenge. Bah ouais, une mort. Donc du coup, on est vraiment dans le... C'est pas le high score, mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Je sais même pas si je suis réussi à finir le premier niveau. En plus, j'ai même pas joué. Ouais, le truc de dingue. Ok, super. Mais là... Voilà, ok. Oh non, ouais, c'est vraiment, vraiment d'un autre niveau. Hein. Faut vraiment tout calculer et tout. Allez, on en fait une petite partie et je vais pas vous saouler plus que ça. Mais du coup, vous avez compris. Hein. C'est quoi le délire? C'est-à-dire que c'est pour les hardcore gamers. Ou alors, pas forcément, mais si t'es... Ce que je vous dis depuis le début. Hein. Les games comme ça, offline, où bah, tu parles et tu joues, t'es pas concentré sur le jeu à 100% et du coup, bah, tu fais un peu de la merde. Ça, vous en êtes rendu compte tout au long des let's play que j'ai pu faire sur la Gata TV. Là, faut que je lui envoie 3 bastos. Je sais même pas comment faire. Voilà. Ouais, bon, bah, on va pas aller plus loin. Du coup, je suis mort 3 fois, voilà. J'irai pas plus loin, mais vous avez compris, hein. Le principe, il est là. Hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, il faut tout garder en tête. Donc, c'est le principe des jeux 8 bits de l'époque. Hein, où, je peux... Non, hop, on revient en arrière. Où il fallait tout garder en tête. Pour terminer le niveau, on se souvient de Mario et tout ça, des pièges et tout. Mais il n'y a pas que Mario. Hein. Mais si on prend celui-là en comparatif. Alors, 2 versus, non, bon, on va faire un endless. Et voilà, donc là, c'est un jeu de blocs. Donc je sais pas du tout à quoi ça sert, mais on va voir. Voilà, bon, je pense qu'il faut aligner les mêmes couleurs pour être tranquille. Si je suis pas trop con, ça devrait être ça. Bon, bah, ça fait pas ça non plus. Bon, bah, tant pis. Ok, super. Du coup, hop, impeccable. Non, bah ça fait rien, 4. Bon, ok, si. D'accord. Ok, j'ai pas saisi le principe. Nickel, ah oui, bah là j'ai saisi le principe. Ok. Tu peux péter les... Ah, pas mal, pas mal. D'accord. Donc du coup, si j'ai une boule, je vais pouvoir tout péter. Hop. Ah non, j'aurais voulu une boule. Il veut pas m'en donner. Ah. Nickel, voilà le principe. Donc vous avez compris. Une fois qu'on a compris les bases, après bah tout est OP. Hein. Ok, nickel, allez. C'est fait. Bon là ça sert pas à grand chose. J'en mets un là. Hop. Ok, super. Impeccable. C'est bien ça. Ça se goupille plutôt bien. C'est le principal. Hop, là je voudrais bien une boule. Super, une autre boule là. Impec. Super. Je sais pas si je vais réussir à kill le truc. Je vais voir. Bah du coup je m'éclate plus sur cette partie là quoi. Je pensais vraiment me faire chier mais non. Bon voilà après. Après c'est un petit puzzle game hein, comme on connaît. Mais bon ça change les autres puzzle games. Ouais là je l'ai fait mais ça sert à rien. Du coup, je vais le poser là. Et puis, dès que je vais avoir une boule, je vais le poser là. Celui-là, je vais le poser là. Donc là, on peut vite perdre si on ne sait pas quoi faire. Voilà. Bon, bah, nickel. Est-ce qu'il va me donner une boule pour niquer toute cette partie-là? Je ne sais pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir toutes les significations des boîtes, à quoi ça sert et tout ça. Ça aurait été bien d'avoir un petit guide. Petite boule, hop. Voilà, ok, nickel. Bon bah voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez. Hein. Voilà, c'est cette petite partie. Si vous allez prendre ce jeu juste pour cette partie-là. Après généralement c'est les petits jeux à la con qui nous prennent vraiment au cœur.
Il y a des jeux comme ça sur Game Gear, pour laisse tomber. Hein. J'ai pu passer des heures alors que je trouvais le jeu complètement con à la base. Mais voilà, quand t'es gamer. Hein. Et pareil, hein, des jeux bah, que je devais kiffer, que j'ai pas kiffé du tout. Du coup, là, on sent qu'on monte de niveau. Ouais, super. Je vais pas en mettre partout. Bon, là, j'ai pas super bien joué, mais bon, c'est pas grave. Essayer de combler. Super. Impec. Voilà, là, on a fait un beau challenge. Nickel. Bon, le jeu nous aide, là. Hein. On le voit clairement. Là, je suis clairement aidé depuis tout à l'heure. Hein. J'étais dans le mal. Et du coup, ce qui me permet de gagner. Voilà, ça me sert à rien. Voilà, mais il va pas me donner une... Ah, oh, j'aurais bien voulu une boule, quand même. Ça aurait été sympa. Je vais essayer de mettre ça là. Ok. Donc là, on gagne des points. Allez, on passe au niveau. Bon, si on peut voir ça comme ça. Hein. Non, j'aurais pas dû mettre là, celui-là. Tant pis. Ouais, celui-là, impeccable. Si je pouvais avoir le... Ouais, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Paf, paf, voilà. Hop. On va se mettre là. Faut que j'en tape un là-bas. Nickel. Bon bah voilà. Bon, je vais pas vous casser les pieds plus que ça avec le côté puzzle, parce que du coup bah je pourrais y passer la nuit, hein, je vous le dis franchement, j'adore. Voilà. C'est vraiment cette partie là du jeu que je kiffe vraiment le plus. Même si la partie plateforme, action, bah je kiffe aussi. Mais voilà, faut être dedans. Là ça me permet de vous de jouer avec vous sans trop me concentrer, quoi. Même si je fais pas une super battle, mais c'est déjà ça. Donc voilà, donc je vais mettre kit et on va se faire un petit point ensemble. Je vais baisser un peu le son pour vous parler. Voilà. Donc au niveau de Mutant Muds, c'est un excellent jeu pour moi de style 8 bits avec 3 jeux pour 1,29€ disponible jusqu'au 18 janvier 2020. Donc prenez-le sur l'eShop pour 1,29€, ça vaut le coup. Rien que voir le prix, voilà, tu le possèdes, t'as 3 jeux. Après tu le termines pas, mais voilà, t'as un jeu correct. Après t'as un jeu pour les hardcore gamers. Donc si tu peux y jouer avec ta fille, ton fils. Et toi tu prends, si t'as un bon gamer, bah tu prends la partie Super Challenge. Et puis après pourquoi pas se faire une petite battle ensemble ou avec tes potes et tout. Au niveau du jeu de bloc qui est super intéressant, Mutant Block, voilà, comme on a pu voir, où il faut comprendre les rudiments pour pouvoir accéder au jeu, mais voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas lancé le jeu et j'ai réussi à y jouer, donc pour moi c'est un excellent jeu. Quoi te dire de plus? Rien, à part que le côté 8 bits je kiffe, le loop en 8 bits j'adore, hein, le son 8 bits j'adore. Après c'est un avis personnel, chacun son avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu 8 bits. Est-ce que pour vous la Gata TV termine bien l'année 2019 avec ce jeu? J'attends vos réponses dans les commentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.